trouve d'ordinaire, c'est de voir mon ami de fois manger du filet mignon tous les soirs dans les beaux hôtels, à gauche puis à droite. Faut que tu comprennes quelque chose, Guillaume, c'est que t'es de la jeune viande, là. C'est une grosse honneur, c'est un honneur et un privilège de faire partie d'une tente de renommée du Québec. Je vois pas partout, cacaptique, rien. Pourtant, c'est du maudit beau hockey. C'est toujours des gros championnats. Il gagne beaucoup de championnats au Québec. Mais il est pas visuel. Il est pas là parce que c'est pas un one. Regardez le bâton. Et là, je sais pas s'il y a eu contact genou à genou. Ouais. C'est sûr que c'est le bâton qui a fait trébucher la tête. C'est un deux minutes. Mais remarquez bien ici. Moi, je suis pas convaincu non plus. Il y a peut-être contact là. Peut-être. Qui se ressort un peu. Out la game, lui. Je vous entends, messieurs, je m'excuse. On entend. Soit donc. Pardon. Je vous demande le lofter le plus utile, selon vous. Take in. Oh, unanimité. Ça dérange. Non, je pense que l'hockey aujourd'hui, c'est le fun à regarder. Les nouveaux règles, c'est plus d'accrochage. Pour la plupart des nouveaux règles, je les aime bien. Take in. What's up, man? What? Getting those screws tight, eh, Charles? Tell you what, I don't know if it's going to help. Kicks the hell out of it. I don't know if it's going to help. Si le Canadien aurait marché juste au carburant de la violence, comme on avait au hockey il y a 4 ans, mais avec l'évolution du hockey dans la Ligue nationale puis du hockey mineur en ce moment, je dis chapeau. Quand j'étais une influence calmant pour Patrick, je suis arrivé un bon temps. Puis Patrick, je pense que dans ce temps-là, on voulait juste qu'il s'occupe de ce que lui avait à faire. Puis ça, c'est jouer go, là. La tendresse, c'est de scorer un autre but. Six mises à l'échec. Michel va passer pour le cheerleader de la tendresse. Michel, c'est que... Ça dérange. Par la suite, ça a été l'appui de son coéquipier blanc qui, lui, va faire un plongeon quelques secondes plus tard pour empêcher les Oilers de contre-attaquer. Okay. Posé la question, moi, qui va gonner le prochain match? Take him. Avec de telles feintes, Wallerson parfois regarde son Batista. On se répète, on dit les mêmes choses, c'est épouvantable, ça n'a aucun sens. On se regarde le journal, vous avez 8 pages de hockey, puis les mêmes commentaires par un journaliste différent, c'est toujours la même bouillie qui revient. Aussi l'année passée, j'ai quand même appris beaucoup. C'était une grande adaptation pour moi, mais maintenant ça va mieux et mieux. En voulant jouer son rôle de dérangeur, si vous me permettez l'expression. C'est exactement ça. On savait que ça pourrait être une game extrêmement difficile contre le Canadien.